Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes réunis en ce dimanche pour accueillir Mgr Touvet, que le Saint-Père vient de nommer évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Je suis heureux d'accueillir le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque métropolitain de Marseille, qui va présider cette célébration eucharistique, le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio, Monseigneur Migliore Celestino, nonce apostolique, Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours et vice-président de la conférence des évêques, Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur François Fonlu, archevêque d'Avignon, Monseigneur Jean-Philippe Nau, évêque de Nice, et Monseigneur Jean Legret, archevêque émérite d'Albi, qui sont dans le cœur. Je voudrais saluer aussi tous les vicaires généraux et représentants d'autres diocèses. Le lapsus, c'est significatif. Représentants d'autres diocèses qui participent à cette célébration. Merci aussi aux représentants d'autres cultes qui se sont joints à nous. Je salue le représentant de Monsieur le Préfet et toutes les autorités civiles et militaires qui sont présentes. François, je t'accueille personnellement, en ce jour, comme un frère dans l'Épiscopat. Tu devras découvrir la vie ecclésiale de notre diocèse, tu as déjà commencé. Je t'accueille comme un soutien qui disposera à mes côtés de responsabilités particulières dans la gestion des personnes, des communautés, des biens. Je t'accueille aussi comme un successeur le jour où je déposerai ma charge. Nous aurons à bâtir ensemble avec tous les acteurs de la vie diocésaine une vraie communion missionnaire autour de quelques axes fondamentaux qui ont été mis en œuvre depuis plusieurs années et avant même que j'assume la charge d'évêque. D'abord, un souci d'une présence à notre territoire du Var, dans ses réalités humaines, sociales, économiques, présence d'accueil, de dialogue, de témoignage évangélique. Ensuite, une volonté de transformation pastorale des paroisses dans un esprit de nouvelle évangélisation pour lequel nous nous sommes investis, mais aussi l'effort d'intégration, d'accompagnement des diverses réalités pastorales, initiatives pour qu'elles enrichissent durablement le terreau ecclésial et qu'elle soit vraiment enracinée dans la vie diocésaine. Et enfin, je soulignerai pour notre diocèse le déploiement de la diaconie du Var,
dans sa dimension diocésaine et paroissiale, avec une attention particulière à toutes les formes de solidarité envers les plus défavorisés et les situations de marginalisation. François, nous sommes conscients l'un et l'autre que la fécondité de notre collaboration reposera sur notre écoute mutuelle en lien avec les instances du diocèse, sur notre volonté partagée, concertée, pour le service de la mission, afin de faire grandir, déployer, étayer, ajuster, assainir et toujours mieux articuler les diverses réalités de notre diocèse. Cette collaboration inédite, on pourrait dire ce duo, marque une nouvelle étape dans la vie, l'organisation, le fonctionnement de l'Église du Var. Il faut faire de ce défi une opportunité. Chers frères, prêtres, diacres, consacrés, fidèles laïcs, nous comptons beaucoup sur votre prière, sur votre appui, sur vos conseils avisés pour que l'Esprit Saint nous guide et nous inspire. Merci à tous de votre présence, de votre engagement, de votre soutien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci, cher Dominique, pour ces mots d'accueil qui nous font entrer avec paix et sérénité dans cette célébration. Merci beaucoup. Quant à Monseigneur Touvet, vous avez dû recevoir la lettre apostolique de votre nomination comme évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon, et donc qu'on en fasse maintenant la lecture. Monseigneur François Touvet présente la bulle de nomination à Monseigneur Dominique Ray, puis à Monseigneur Jean-Yves Molinas, doyen du chapitre, qui va la présenter au Collège des consulteurs. Je vais vous lire la traduction de la bulle de nomination. François, évêque serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère François Touvet, jusqu'ici évêque de Châlons, constitué évêque coadjuteur de l'église de Fréjus-Toulon, salut et bénédiction. Le Christ emplit de ses dons divins l'Église qui est son corps et sa plénitude, pour que celle-ci tende et parvienne à la plénitude totale de Dieu, Lumen Gentium 7. Nous-mêmes, exerçant la fonction de successeur de Pierre, méditant cette affirmation du Concile œcuménique Vatican II, nous portons d'une manière particulière notre attention sur l'église de Fréjus-Toulon, à laquelle nous venons maintenant préposer un évêque coadjuteur en vue du bien des âmes des fidèles de cette communauté ecclésiale
et de leur progrès spirituel. C'est à toi, vénérable frère, que nous avons résolu de confier cette charge, dont les qualités humaines et les vertus sacerdotales nourrissent notre espoir que tu assureras cette responsabilité avec ferveur. C'est pourquoi, la chose ayant été mûrement pesée sur le conseil du dicastère pour les évêques, nous te choisissons, étant déliés du lien contracté avec ton précédent siège, et te constituons évêque coadjuteur de Fréjus-Toulon, avec toutes les facultés spéciales touchant à l'administration diocésaine, la formation des séminaristes, la direction du clergé, le soin des instituts de vie consacrés, des sociétés de vie apostolique, ainsi que des associations de fidèles du dit diocèse. Nous voulons que tu fasses connaître au clergé et au peuple de cette Église la teneur de notre décret, pour qu'accompagnés par toi, ils observent les préceptes du Christ de manière plus profonde dans leur vie quotidienne et qu'ils imitent avec soin son exemple. Toi-même, vénérable frère, nous t'exhortons, avec l'aide de la prière de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph, son époux, à indiquer fraternellement aux fidèles les sentiers de l'Évangile, en observant et enseignant à observer le magistère de l'Église et par-dessus tout le commandement de l'amour du Seigneur Dieu et du prochain. Donné à Rome, au Latran, le 21 novembre, l'an du Seigneur 2023, de notre pontificat le 11e, François, pape. Thank you.
attend, parce que tout le monde signe. Hein. C'est pour ça qu'il y a un temps mort. Mais il n'est pas mort pour de bon. Hein. C'est un arrêt, une interruption du son et de l'image. Frères et sœurs, puisque nous avons eu le temps de relire notre vie, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez,
Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimé, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour.
Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui.
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, en ce dimanche qui ouvre la deuxième semaine de notre Avent cette année, la parole de Dieu se focalise autour de plusieurs mots, j'en retiens trois, la consolation, la patience et le renouvellement. D'abord, en nous faisant écouter le commencement du chapitre 40 du livre d'Isaïe, qu'on appelle le livre de la consolation d'Israël, parce qu'il annonce que Dieu fait grâce et que le peuple pourra bientôt être délivré de ce long exil au bord des fleuves de Babylone. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Car Dieu vient avec puissance au secours de son peuple affligé. Le voici qui reprend, nous dit Isaïe, avec tendresse, son rôle de pasteur. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Voilà la bonne nouvelle qu'Isaïe invite à clamer sur tous les toits. L'exil a été rude et douloureux, mais il fallait ce temps long pour que le peuple tout entier s'en remette avec confiance entre les mains de son Seigneur, lui qui jamais ne l'avait abandonné. Car Dieu est patient, il désire la paix et la justice. Le psalmiste nous l'a rappelé tout à l'heure, j'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Et puis ces mots si lumineux qui sont devenus ta nouvelle devise, cher François, amour et vérité se rencontrent. Que Dieu soit patient, c'est aussi ce que nous redit la deuxième lettre de Saint Pierre. Certains pensent que Dieu a pris du retard, mais c'est qu'il ne veut perdre aucun de ses enfants. Si l'œuvre du salut paraît traîner en longueur, c'est parce que Dieu accepte, par amour pour son peuple, d'attendre ceux qui marchent plus lentement, de prendre patience afin que tous parviennent à la conversion. Ce sont des attitudes tellement éclairantes pour les pasteurs que nous essayons d'être. Cependant, avertit l'auteur de la lettre, n'en profitez pas pour flâner, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Travaillez plutôt à hâter la venue de ce jour, un jour de renouvellement, jour du ciel nouveau et de la terre nouvelle, où résidera la justice, selon la promesse du Seigneur. Et puis, nous avons écouté les tout premiers versets de l'Évangile selon saint Marc, qui se présente comme un prologue en miniature, très concentré en cette formule liminaire et lapidaire, qui n'est pas sans rappeler le commencement, Bereshit, de la création au seuil du livre de la Genèse.
commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Là, il faudrait s'arrêter et prendre autant de silence qu'on en a pris tout à l'heure pour méditer cette toute petite phrase. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Commencement, c'est même plus que commencement, c'est principe, c'est arché. Et toute la matrice de l'évangile est là. Ce Jésus est à la fois Christ, c'est-à-dire un homme choisi par Dieu et consacré par l'onction. Et il est aussi Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, descendu chez les hommes pour vivre avec eux et leur apporter le salut. Cette petite phrase liminaire indique aussi le plan de l'évangile de Marc. Jalonné de miracles, la première partie de son évangile montrera comment Jésus est vraiment le Christ. Alors qu'à partir du récit de la Passion, Marc montrera comment cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et tout au long de son récit, Marc va multiplier les rappels sonores à cette arché, à ce principe, à ce commencement du début. Souvent dans son évangile, il va dire ainsi, Jésus commença, ou bien l'on commença à, ou alors il va rajouter, il est celui qui en le fait le plus, aussitôt, tout de suite. C'est-à-dire que le Christ ne cesse de susciter du nouveau, de faire du neuf dans notre vie. Il est lui-même cette nouveauté, ce commencement, comme le dira plus tard saint Irénée, il a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même. Marc commence son récit par une longue citation des prophètes, non seulement Isaïe, mais aussi Malachie, le dernier, celui qui fait la jointure entre le Premier Testament et le Nouveau Testament, celui qui fait la reliure de toutes nos Bibles. Mais, vous l'avez sans doute peut-être vu, Marc cite Malachie en le changeant un petit peu. Là où Malachie écrivait « J'envoie mon messager, il préparera la route devant moi », Marc écrit « Voici que j'envoie mon messager en devant de toi pour préparer ta route ». Jésus n'est pas encore entré sur scène, mais la première fois qu'on parle de lui, c'est sous la forme de ce « toi » dans l'éternelle Trinité. C'est un peu comme le psalmiste qui dit mystérieusement « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite ». Avant même que Jésus n'apparaisse sur la scène de l'Évangile, il est désigné dans cette intimité trinitaire par un toi auquel le Père s'adresse pour lui dire qu'il enverra un messager préparer la route devant lui. Que de choses en si peu de mots. Et ce messager, c'est Jean, sur les épaules duquel pèse tout le poids du passé, toute la force de l'espérance d'Israël, avec une gravité qu'exprime dans le texte de Marc la formule solennelle, alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. On n'en finirait pas, chers amis, de puiser dans les lectures de ce jour de quoi nourrir notre prière et notre méditation à l'approche de Noël. Qu'il est beau ce temps de l'Avent, qu'il est riche. Et en 4 semaines, c'est un peu court pour en profiter, mais c'est déjà ça. Vous rappelez que les Gaulois, qui avaient été les premiers à vouloir introduire un temps liturgique de préparation à Noël, les Gaulois, au VIe siècle, avaient pensé qu'il fallait un peu plus de temps, et alors ils avaient fait commencer les choses à partir du 11 septembre. Et on appelait ça du 11 novembre, pardon, excusez-moi, du 11 novembre donc quand même. On appelait ça le carême de la Saint-Martin, parce que ça avait été fait au concile de Tours, et puis après au concile de Mâcon. Alors le carême de la Saint-Martin, ça faisait 6 semaines. Alors après, la pratique est allée chez les Espagnols, qui, bon, se sont accommodés, bon. Et puis après, est arrivé chez les Italiens,
je le disais la semaine dernière au nonce apostolique, est arrivé chez les Italiens. Les Italiens, ils ont dit 6 semaines. Surtout qu'il faut jeûner le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est plus prudent 4. Merci, merci à l'Église de Rome. Merci à l'Église. Mais alors du coup, il faut profiter des 4 semaines. Et là, on n'en finirait pas tellement ces textes sont riches. Mais aujourd'hui, l'événement qui nous réunit ici à Toulon revêt une importance toute particulière et les textes que nous avons entendus nous éclairent beaucoup sur ce qu'est un pasteur. Consoler, la consolation, la patience et le renouvellement. Cher François, en tant qu'archevêque métropolitain, je te souhaite la bienvenue dans ta nouvelle province et plus précisément au service du peuple de Dieu du diocèse de Fréjus-Toulon. C'est lui que maintenant il t'est demandé de servir aux côtés de Dominique. Ceux qui te connaissent savent que tes épaules sont larges, que ta détermination dans l'action n'a d'égal que ton respect des personnes et que ta nouvelle devise, providentiellement inscrite dans le psaume d'aujourd'hui, sonne juste en toi la patience de l'amour et la passion de la vérité, depuis longtemps, ont appris à se rencontrer et à convertir ton cœur. En bon scout d'Europe, tu ne cherches pas ta gloriole personnelle, mais le service et le dévouement. Et même si je ne te connais pas personnellement depuis longtemps, j'ai vite perçu que tu es un homme libre, libre à cause de l'Évangile, courageux et humble à la fois, droit sans être rigide, ferme sans être fermé, homme de dialogue sans manquer de conviction. Le diocèse où tu arrives est un très beau diocèse, non seulement par la variété de ses paysages et la richesse de son patrimoine culturel, mais aussi et surtout par la vitalité ecclésiale qu'est la sienne et sa créativité missionnaire. Les évêques qui se sont succédés depuis quelques décennies ont eu à cœur d'essayer de greffer sur l'arbre ancien de la forêt varoise quelques jeunes pousses venues d'ailleurs, dont l'acclimatation n'a pas toujours été facile, mais qui ont aussi indéniablement donné de nombreux fruits. En t'accueillant dans son diocèse, qui devient aussi le tien, cher François, Dominique, comme il nous l'a dit tout à l'heure, avec sérénité et humilité, aura à cœur de te faire découvrir ses multiples greffes, dans la diversité de leurs charismes, la richesse de leurs intuitions et le foisonnement de leur créativité pastorale. Ensemble, vous aurez à exercer un discernement renouvelé, avec respect et loyauté, en gardant pour critère principal le service concret et aimant de tout le peuple de Dieu. Ensemble, vous aurez à faire grandir la communion, qui n'est pas une simple juxtaposition de tendances diverses dont chacun pourrait s'accommoder pourvu qu'il y trouve son compte, mais bien plutôt une communion qui est un don de Dieu pour tous, une communion qui provient de l'Eucharistie et qui se traduit en appel exigeant à l'amour et à la vérité, non seulement en Église, mais au service du monde, spécialement des plus pauvres. Ici, cher François, tu découvriras la vitalité de la diaconie. Ici, tu verras, la charité ne se paie pas de mots et la lutte contre l'injustice est bien présente. Cher Dominique, depuis que nous nous connaissons, c'est-à-dire depuis le temps de nos études à Paris, ce qui remonte à loin, je sais combien le zèle de la mission dévore ton cœur de pasteur. Je sais que tu es prêt à prendre des risques pour que l'Évangile soit annoncé, même s'il faut essayer de nouvelles voies, pas encore balisées, pas vraiment sécurisées, mais à tes yeux,
pleine de promesses et de potentialités. Merci pour ces audaces et pour les fruits qu'elles ont déjà donnés, non seulement pour le diocèse, mais au-delà. Je connais ton ardeur entreprenante dans la persuasion et parfois ta candeur bienveillante dans le discernement. L'arrivée de François, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouvre une nouvelle page dans l'histoire de ce diocèse auquel tu es attaché depuis plus de 20 ans. C'est à vous deux maintenant qu'il est confié, à votre prière, à votre discernement, à votre espérance. Le peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu, dont la vitalité ne doit jamais disparaître sous les greffes, le peuple de Dieu qui habite ce beau département, a besoin de la sagesse cumulée de vos ministères épiscopaux. Il a besoin de sentir non seulement votre réelle communion fraternelle au service de la mission, mais aussi votre engagement quotidien au service de tous les baptisés pour aider chacun à progresser sur le chemin de la sainteté. C'est la belle mission de l'évêque. Si, quand on me le demande des fois, s'il fallait résumer en un mot ce que fait un évêque, eh bien le mot c'est encourager. Toute la journée, il faut qu'il encourage. La plupart du temps, heureusement, il encourage à continuer. Mais quelquefois aussi, il encourage à changer un peu, à réfléchir un peu. Mais enfin, dans tous les cas, il encourage. Et il a besoin d'être encouragé aussi. Que le Christ Jésus, doux et humble de cœur, selon ta belle devise, cher Dominique, vous soutienne et vous guide dans cette coopération épiscopale relativement inédite. Que l'Esprit Saint vous donne toute l'audace apostolique dont vous aurez besoin pour que l'Évangile soit annoncé dans l'amour et dans la vérité. Et que la Vierge Marie et Saint Joseph, son époux, vénéré d'une façon particulière en ce diocèse sur la colline, sur les collines de Cotignac, vous aide à faire comme eux. D'une part, regardez le bon Dieu avec les yeux du peuple, et c'est votre ministère de prière et d'intercession, et d'autre part, regardez chaque membre du peuple avec les yeux de Dieu. Et c'est votre ministère de compassion et de miséricorde, consolation, patience, renouvellement, que vous soyez aidés par nous tous et par notre prière à vivre votre rôle de pasteur et d'évêque de ce diocèse en étant, vous deux, doux et humbles de cœur, comme le Seigneur nous le demande. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Patres celestae, Visibilium omnium, et invisibilium, et unum Dominum Iesum Christum.
tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons, frères et sœurs, sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. L'Église universelle, en union de prière et en action de grâce avec notre pape François, représenté par le nonce apostolique, qui nous envoie un évêque coadjuteur, afin que chacun de ses serviteurs soit marqué d'un esprit de communion et de service de plus en plus grand. Prions le Seigneur. Pour l'ensemble des services diocésains et particulièrement les responsables de chacun d'entre eux, pour les mouvements et leurs responsables, afin qu'un esprit de corps saisisse chacun pour que tous travaillent dans l'unité au service de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque, Monseigneur Dominique Ray, que la grâce divine continue d'accompagner son zèle missionnaire. Pour son coadjuteur, Monseigneur Touvet, qu'il puisse trouver l'accueil nécessaire à sa mission qui commence parmi nous, et que chacun travaille à faire resplendir l'œuvre de Dieu en notre Église diocésaine. Prions le Seigneur. Les pauvres et les petits, pour tous ceux qui se sentent exclus d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils trouvent auprès d'eux des témoins d'une charité ardente et des consolations sur leur route. Prions le Seigneur. L'ensemble de notre diocèse représenté ici, afin que chacun trouve dans le Seigneur les grâces et les forces nécessaires pour être toujours plus instrument de communion et témoin de la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Dominique, son coadjuteur François, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous allons pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et des servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Par eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix, par le Christ notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon,
par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ses biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, rendus forts en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, vous avez l'habitude de désigner le diocèse par les initiales des deux villes épiscopales de Fréjus et de Toulon, FT. Ce sera désormais aussi une façon de parler de l'évêque coadjuteur. C'est ma signature abrégée sur les messages électroniques et les textos. FT rejoint donc FT. Rejoindre FT, Fréjus, Toulon, pour moi, aujourd'hui, c'est répondre à un appel de l'Église, dans lequel je reconnais un appel du Seigneur lui-même. J'ai choisi d'y répondre en disant « me voici », comme j'ai déjà dû le faire plusieurs fois à chaque étape de ma formation et de mon ministère. Je souhaite adresser mes remerciements au Saint-Père pour la confiance qu'il me témoigne à travers cette nomination. Excellence, vous qui êtes son représentant en France, je vous prie de bien vouloir lui transmettre l'expression de ma profonde gratitude. Soyez vous aussi remerciés de votre présence en ce jour important pour le diocèse de Fréjus-Toulon, manifestant bien la dimension universelle et la communion fraternelle de tous les évêques avec l'évêque de Rome. D'autres frères dans l'épiscopat me font la joie d'être à mes côtés. Je leur suis très reconnaissant d'avoir fait le déplacement, parfois depuis très loin, la Belgique. Je leur suis très reconnaissant donc. Chers frères, je suis très touché de votre présence. Monseigneur Aveline, cardinal archevêque métropolitain de Marseille, cher Jean-Marc, et quelques évêques de la province, d'autres ont dû s'excuser étant déjà retenus, vu le calendrier très rapide de ces dernières semaines. La province qui comptera désormais trois François, deux amis d'enfance et de troupes scouts, et les trois évêques du Conseil pour la communication que je préside. Je salue aussi Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France, et donc Mgr Luc Terlinden, nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, deux amis fidèles qui sont venus aussi concélébrer aujourd'hui. Je salue particulièrement les autorités et les élus, tout spécialement Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, représentant Monsieur le préfet du Var, et Monsieur Bonnefoy, représentant Madame le maire de Toulon. Votre présence exprime la qualité des relations que l'Église entretient et souhaite toujours entretenir avec la société tout entière, y apportant sa parole comme une contribution constructive, surtout lorsqu'il s'agit de la défense de la vie humaine, de la protection et de la promotion de la famille, de l'équité et de la justice, de la protection des plus pauvres et des plus fragiles, et de la liberté religieuse. Vous, frères prêtres, mon regard et mon cœur se tournent vers vous. Vous êtes nombreux dans le diocèse, très nombreux. Je suis impressionné. Je souhaite vous exprimer ici tous mes remerciements pour votre engagement généreux, dans une époque où vous ne manquez pas de recevoir beaucoup de critiques ou de remises en cause. Je me réjouis de travailler avec vous et de vous accompagner les uns les autres, tel un prêtre, un père, un frère, un ami, comme je vous l'ai dit l'autre jour, avec amour et vérité. Vous pouvez compter sur moi. Recevez tous mes encouragements pour un ministère joyeux et rayonnant. Vous aussi, frères diacres, continuez par votre présence aux réalités du monde et dans la vie des gens de témoigner de la charité du Christ, tout spécialement envers les plus petits.
Je sais la qualité de votre engagement avec vos épouses à vos côtés pour ceux qui sont mariés. Je compte sur votre pleine coopération. Vous aussi, les séminaristes, spécialement les ordinants de 2022, très marqués par la suspension des ordinations. Bravo! Vous avez été courageux et dignes, loyaux et obéissants. Ces 18 mois vous ont permis à tous de relire votre expérience et de progresser spirituellement. Il y a déjà quelque chose du mystère pascal dans votre parcours. Cela le restera quand vous serez devenu prêtre, croyez-moi. Il vous faudra encore souffrir et mourir pour donner la vie et remettre debout. Comme je vous l'ai dit l'autre soir, lorsque vous me receviez très simplement au séminaire, je veillerai attentivement sur vous tous, avec amour et vérité. Merci du formidable message d'espérance que vous nous donnez et que vous donnez à l'Église. Vous, enfin, les diverses communautés présentes dans le diocèse, je viendrai prochainement vous rendre visite pour vous connaître et vous accompagner avec amour et vérité. Soyez rassurés toutefois, si j'ai administré la communauté du Verbe de vie jusqu'à sa dissolution, je n'en ai pas fait mon métier. Je ne faisais que mettre en œuvre une décision prise par un autre évêque, dont le vicaire général était alors Mgr Terlinden, ici présent. Je ne viens pas pour dissoudre, mais pour accompagner la vie, ajuster éventuellement, en vue d'une belle fécondité. Rejoindre Toulon, je ne dis pas Fréjus pour une fois, c'est aussi retrouver des racines familiales. Pas des racines en fait, mais des amarres ou des haussières. Maman, ici présente, est née à Toulon il y a 90 ans et y a été baptisée à l'église Saint-Louis, juste à côté. Elle a vu le sabordage de la flotte le 27 novembre 1942. Papa a été confirmé à Toulon. Ils y ont habité dans les années 60, près du fort Lamalgue. C'était avant ma naissance. Ils s'y sont fait de nombreux amis. La marine est une grande famille. Que ceux qui n'en sont pas se rassurent, je sais que dans le Var, il n'y a pas que des marins. Rejoindre Fréjus-Toulon, c'est un peu le réchauffement climatique. Au sens propre du terme, j'ai compris qu'Aix-en-Provence est la frontière entre le sud et le nord. Eh bien, je l'ai franchi en laissant les immenses plaines champenoises, les champs cataloniques, paysage un peu lunaire l'hiver et souvent bien froid. Permettez-moi une pensée aujourd'hui pour mes frères et sœurs du diocèse de Châlons qui m'ont vu partir vite. Réchauffement climatique aussi au sens figuré. J'entre dans une autre dimension, une population 4 fois plus nombreuse que celle du diocèse de Châlons, mais 3 fois moins de communes, 10 fois plus de prêtres, 30 fois plus de séminaristes. Courbe ascendante aussi en matière vinicole. Ayant quitté la Bourgogne avec le Gevrey-Chambertin et le Puligny-Montrachet, je suis passé par la Champagne, et vous savez ce qu'on y boit, et je vais demeurer au cœur d'un domaine où l'on produit du Côte de Provence. Je suis déjà séduit. Merci d'y acheter votre vin sans modération, de penser à vos cadeaux de Noël. Cela soutiendra la fondation de la Castille qui en a bien besoin. Plus sérieusement, frères et sœurs, sans prétention, j'arrive ici en serviteur miséricordieux, en père attentif, en pasteur ardent, en missionnaire généreux, en adorateur silencieux, en administrateur rigoureux, en homme courageux, en ami sensible, en sportif un peu vieillissant, en frère tout simplement. Je tiens justement à exprimer à mon frère, Mgr Ray, cher Dominique, toute mon amitié fraternelle. Nous devons ensemble, le cardinal l'a dit tout à l'heure, relever un défi inédit, et nous y arriverons, avec la grâce de Dieu et le soutien de tout le peuple de Dieu qui nous témoigne déjà de sa confiance, de son engagement
et de ses prières. Je sais et je mesure ce que représente pour toi cette étape dans ton ministère d'évêque de Fréjus-Toulon. Je sais combien cela peut être crucifiant pour toi. Je te remercie de ton accueil bienveillant. Tu peux compter sur moi comme un vrai frère pour le service de l'Église et la mise en œuvre de notre mission partagée. Ceux qui voudraient nous diviser ou tirer leur épingle du jeu, utiliser ce contexte sensible ou blesser l'Église universelle plus qu'elle ne l'est déjà, n'y arriveront pas. Notre priorité commune, nous en avons parlé, c'est la communion missionnaire. Nous la bâtirons ensemble et avec tous, je m'y engage. Je termine en faisant part à cette magnifique assemblée de deux nouvelles très importantes et réjouissantes. J'ai tout d'abord la joie de vous annoncer de la part du cardinal Lazar Yu Eung Sik, préfet du dicastère pour le clergé, que le décret du 28 avril 2022 ajournant les ordinations est désormais révoqué. Deuxième bonne nouvelle. Ayant réussi à anticiper beaucoup le travail de discernement avec amour et vérité, en m'appuyant sur les avis précieux, précis, bienveillants et miséricordieux du recteur et des formateurs du séminaire, je vous invite à retenir dans vos agendas le dimanche 21 janvier après-midi pour une célébration d'ordination ici même à la cathédrale de Toulon. Les appels ne sont pas tout à fait finalisés, mais je procéderai sans tarder. Plusieurs candidats pourront être ordonnés. Une autre ordination sera célébrée le 29 juin à la Castille. De grand cœur, je vous remercie tous. Non seulement pour l'organisation et la parfaite maîtrise de cette célébration, vous a permis de prier, de louer Dieu et de rendre grâce. Je vous remercie de votre confiance, de votre prière, de votre soutien. Gardons les yeux fixés sur le Christ Jésus, lui seul compte. Préparons nos cœurs à sa venue, laissons-nous convertir pour lui ressembler davantage et prions les uns pour les autres. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie
et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.